sommes avec Alain Franqueville. Donc, Alain, parlez-nous un petit peu de ce passage à Chazey-sur-Ain, au parc du cheval de Chazey-sur-Ain. Donc, un regroupement en Grand Est, Centre-Est. Oui, le Grand Sud-Est, hein, qui va en fait de Colmar à Toulouse. Donc, oui, c'est assez grand. L'idée, c'était quand même de pouvoir traiter, de venir vers ces régions où on est, nous, dans le Grand National, mais également dans les stages que met en place la Fédération. On est souvent un peu loin. Donc, ça fait beaucoup de kilomètres pour les cavaliers. Et comme il y a quand même une dynamique dans toutes ces régions, par rapport à quelques années, il y a beaucoup plus de chevaux qui vont dans les compétitions et qui abordent le Grand Tour ou qui sont au Grand Tour. Donc, ça paraît assez intéressant que l'entraîneur national voit et aussi donne une impulsion à tous les cavaliers et les entraîneurs de la région. Donc je pense que c'est utile de venir aussi là. Mais notre objectif principal, c'est cette année, c'est quand même les Jeux mondiaux. Donc là, il y a ce stage-là. Comme on avait des stages un peu ouverts dans la région, grande région parisienne, maintenant on se concentre sur les Jeux mondiaux avec les 8-10 cavaliers qui vont être dans la cible et qui pourraient rentrer dans l'équipe et pour lesquels on va tout faire pour faire gagner des points. Donc ce sont trois stages de 4 jours, décembre, janvier, février, pour démarrer. Là, on est sur une autre logique. Là, on est un petit peu dans du long terme, au moins moyen terme. Et disons que l'objectif maintenant, c'est de se concentrer sur 2014. Tout à fait. Ici, c'est dans une logique d'accompagnement, de développement, aussi de faire en sorte qu'il y ait une dynamique. Hein. La dynamique, ça ne repose pas que sur 10 cavaliers en France. On doit avoir plus. On voit bien qu'il y a plus de concours. Donc, c'est aussi d'accompagner et de détecter. Parce qu'en voyant les chevaux au travail, on se dit, tiens, là, il y en a peut-être un qui nous intéresse. Hein. Donc, c'est aussi, on est intéressé de voir les couples dans le travail avec l'entraîneur national. Alors, on a beaucoup de cavaliers qui sont assez jeunes, mais par contre, on n'a pas de jeunes cavaliers au sens technique du terme, quoi. C'est pas un petit peu inquiétant de ne pas avoir de jeunes actuellement ? Alors, c'est-à-dire que je trouve, moi, qu'il n'y a pas assez de jeunes et que notre filière, je parle au niveau, hein, pas la filière poney junior jeune cave, pour moi, là, on a vraiment un effort à faire. Je pense que les entraîneurs, les écuries de dressage s'intéressent pas assez et on doit trouver quand même des moteurs pour qu'il y ait une meilleure dynamique entre poney junior jeune cave et les effectifs restent faibles. Hein. Là, j'ai regardé avant de venir justement ce qu'il y avait comme cavalier en junior. Bon, on a une cavalière poney qui va passer en junior. Mais c'est quand même, je trouve, un peu faible. Donc on doit trouver les moyens d'aider nos entraîneurs locaux pour qu'il se passe quelque chose et qu'on ait davantage. Parce que l'avenir, c'est les jeunes. Et ces jeunes, il faut qu'ils rentrent dans la compétition maintenant et qu'ils soient orientés sur les bons axes. Donc là, on est aussi intéressé par ce développement-là. Je ne veux pas que c'est inquiétant, mais bon, on n'est pas satisfait, hein, c'est sûr. Ici, justement, vous avez travaillé avec la commission régionale de dressage pour inciter les juges, les entraîneurs à venir. Et il y a effectivement un petit peu de public. Donc, ça va dans ce sens ? Ah, tout à fait. Je trouve qu'il y a une très bonne réponse. C'est important que des entraîneurs, que des juges viennent et voient ce travail de l'entraîneur national avec des couples intéressants qu'ils connaissent d'ailleurs pas tous. Et ça, je crois que c'est très important. Donc, il faut le côté technique, le côté entraînement, c'est une chose. Mais il faut également que le développement passe par la transmission du savoir et les gens ont besoin d'actualiser leurs connaissances. Alors ici, vous avez un très gros concours avec le CDI. C'est un peu décevant, mais peut-être qu'on aura une wildcard et qu'on aura un cavalier présent, pourquoi pas. Mais notre objectif, c'est quand même, avec l'entraîneur national et pour la fédération, de préparer au mieux les Jeux mondiaux, c'est-à-dire que c'est au mois d'août, donc voilà, on ne se trompe pas d'objectif. Donc concrètement, pour le cadre A, pour ces cavaliers qui sont dans la perspective Normandie 2014, le prochain rendez-vous sur un stage fédéral, un stage au Mans, bientôt en décembre. Trois stages, et le premier en décembre, c'est du 16 au 19 décembre. Suivi d'un stage en janvier, suivi d'un stage en février, 4 jours, centrés sur l'évolution technique de ces couples pour les faire progresser. On veut des chevaux, faut qu'on ait 4 chevaux à 70% et plus, donc on a besoin d'améliorer les choses en profondeur, dans la durée. Donc ce sera en grande partie à huis clos pour faire le travail qu'on veut, avec vidéo et puis des interventions extérieures, et puis la cohésion, travail d'équipe, et voilà. C'est ça l'idée. Combien de couples actuellement pour ces stages ? Normalement, on est à peu près à 8, hein, à peu près à 8 sur un stage. Donc, les gens qui sont concernés, on pourra avoir ceux du groupe
du cadre A, donc le groupe JOJEM, avec peut-être de temps en temps, parce qu'il y en a un qui peut avoir un problème, hop, on remplacera par un autre. On sait que, par exemple, Karen Tebar ne peut pas être sur le premier stage, faisant l'activité professionnelle, donc on va pouvoir prendre quelqu'un qui est dans le groupe des suivants. C'est-à-dire qu'on espère que dans les groupes suivants, il y en a qui vont se révéler très bien et qui vont rentrer dans le groupe. Donc, si on peut, on les fait venir, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.